Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Ocarina of Time, toujours avec Exal. Salut tout le monde! Donc, on est prêt pour continuer ce temple à la con. Bon non, il n'est pas si dur que ça. Ouais, bien sûr. Si t'avais, sincèrement, si t'avais pas eu ton souvenir, t'aurais... Galéré. Pensé... Voilà. Mais j'ai eu le souvenir. T'as eu le souvenir, et encore assez vite, hein, parce que... Donc on a bien fait de me laisser faire cette ce donjon. Ah bah moi je serais même pas rentré dans là le pour temple. Remonter, ça se passe par là-bas je crois. Je sais plus, moi je me serais même pas peut-être récupéré les chars pour voir s'il y a des cœurs dedans. C'est vrai, j'avais pas vu que j'avais pas tous mes cœurs, tu fais bien de me le dire. Et il n'y a rien du tout. Bon, s'il y a que dalle. Bande de radins. Oui, les cœurs c'est quelque chose d'assez facile à avoir dans le jeu. Rien, rien, rien. Non, ah, les pics. Je m'y jette. Les pics, je les ai retrouvés. Alors. Ah bah les gens sont de retour. C'est par là du coup hein. Bah non. Ah bah non, tu peux pas y aller, t'as pas encore le super grappin. Ouais. Donc ça doit être par là. Ouais, c'est par là je crois. Ouais, je me souviens, on ressort là il y a un jet d'eau. À activer avec un truc, ouais, voilà. Voilà, le fameux jet d'eau. Avec la bestiole. Avec la fameuse araignée qui va te faire chier. Raté. C'est une vraie merde avec l'arc. Ouais, t'as pas. Y'a pas de viseur, hein, donc. Dégage. Ah, je t'ai eu dans le dos quand même. Saloperie. Allez, on remonte l'eau. Et là, il faudra passer en haut. Pour aller récupérer, je pense, le grappin. Donc, de toute façon, une fois qu'on a le grappin, on peut dire que le donjon est presque fini. Hein. C'est vraiment le truc le plus chiant à aller chercher. Ouais. Et je vais essayer de. Si tu veux bien, je ferai le mini-boss que j'ai ouais. Bien. Je vais en chier parce qu'il est spécial. Je me souviens plus du tout, j'aurai la surprise. Moi, je m'en souviens très très bien parce que c'est mon mini-boss préféré. Quand je suis tombé dessus, j'ai fait waouh, c'est pas con. Donc. Moi oh, je croyais que t'allais sauter le. En mode super héros. En mode gros barbare. Boston. Et voilà. Alors heureusement que j'ai été chercher les deux clés parce que je crois que de l'autre côté. Dégagez, dégagez, mourez. On va faire comme ça. On va pas se faire chier. Hein. Rien ne vaut un bon arc. Surtout dans le jeu. Ah, je me souviens d'ici. Moi aussi. Et je me souviens que j'aimais pas. Je crois qu'il faut attirer. Ah ouais, je me souviens très bien. Ouais. Faut atterrir là. Sauter sur l'autre en face et atterrir dessus après pour avoir plus de chances de rater de pas rater justement. Pour avoir plus de chances de rater mon coup parce que oui on fait exprès de faire des fails, vous l'avez pas compris. Faut bien faire rire le monde. Voilà, c'était exprès, voilà, maintenant vous avez. Alors... vous connaissez notre secret hein, tous les fails c'était prévu, on connaît le jeu par cœur en fait. Ah voilà, attends, on savait très bien qu'il y avait un passage en plein milieu de la tour, on l'a fait exprès. C'est pas drôle si on réussit d'un coup, sinon on finit le truc en 10 épisodes. Hein. Bah oui. Ah ça c'est chiant. Mais... dans Twilight Princess, t'avais un deuxième grappin, tu pouvais faire. Là par exemple, ça aurait été plus pratique, tu vois. Vas-y, t'y es presque, t'y es presque. Attends. Allez. Oui! Sans fail! Hein. Et en plus, t'as la clé qu'il faut! Alors, vous avez vu, heureusement que j'ai été chercher les deux clés. Oh. Et ici, il va falloir. Prendre une corde. Non, t'as un truc rouge en plus. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais je regardais juste au cas où. Non, y'a que ça à faire. Ah, d'accord. Y'a un chronomètre? Pour l'instant, non. Je dirais pas. Ok.
que je rappelle que je n'ai pas le son. La forêt activée. Dégage. La forêt activée, ça je crois. Prends l'arc, c'était trop loin. C'est par habitude de prendre énormément le grappin. Pour pouvoir faire, je pense que t'as compris. Non ? M'arriver en face là. Ouais, et pour pouvoir passer, je pense qu'on peut passer au-dessus de la tête. Ouais. Donc voilà, sans ça on n'aurait pas pu passer. Ça aurait été le bordel. Tu vois, encore par habitude. Ouais, là t'as de la chance, t'es assez près. Quand t'auras le super grimpin, ça ira mieux, je pense. Ouais. Parce que là, tu pourras atteindre... Bon, il y a juste la vitesse qui sera pas au point pour atteindre les trucs loin. Ouais. Alors c'est con que... Il y a deux cœurs qui sont tombés. C'est pas grave. Là, je sais, mais c'est con quand même. C'est sûr. L'araignée qui nous regarde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous. C'est ce que j'allais dire. Alors... Ah oh ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. J'allais regarder en haut s'il y avait pas un truc de grappin, mais en fait... Ah, baston. Oh putain de saloperie. Alors ça, c'est... ça bouffe ton bouclier, ça. Un coup. Là, il fallait deux énorme. Fois, et là, il a un coup. Et un rubis bleu en plus, hein. Et de la magie. Ah, à moi. Est-ce que tu te souviens du boss maintenant? Attention. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens du boss? Ouais. Alors, regardez bien. Regardez bien le sol, d'accord? Il est beau là, vous voyez bien mon petit reflet. Ben, j'ai plus de reflet. On se retourne. Tadam ! Il nous a abandonné. Alors là, non. Alors là, ça va être spécial. Alors vous voyez qu'il faut, il fait exactement les mêmes gestes que moi. La seule. Alors là, c'est la première fois que je le combat avec cette épée là, parce qu'avant. Tiens, connard. Ah, je pensais qu'il fallait qu'un coup. Non, c'est un mini-boss quand même. Ah ouais, mais c'est quand même une épée bigoron. Hein. Ouais. Alors là, d'habitude, je me prends toujours plein de coups, mais je suis content, j'arrive à maîtriser. Mais... J'ai déjà tapé deux fois, trois fois. Mais je crois que ça doit être l'épée qui change le truc. Je lui botte le cul, là, en fait. La première fois, je crois que j'étais quasiment mort. Là, je suis en train de lui botter le cul. Vive l'épée, j'allais dire bigoron. Tiens, voilà. J'allais dire un truc méchant du genre, ça se voit que la manette a changé de main, mais... ouais, c'est ça. N'empêche qu'heureusement qu'elle était dans mes mains, hein, parce que... Quand même, on a quand même bien avancé, hein. Ouais, on a bien avancé, oui. Alors, un... Ouais, attends, tu aurais dit comme ça que la manette dans les mains, ça aurait été pareil. Hein. Et voilà. Salaud. Ouais. Et voilà, on a le grappin. Et là, on va vérifier ce que t'avais dit, disant que ton grappin était violé. Alors, on va voir s'il est alors, violé ou si pas. Alors, ouais. Il était violé dans le jeu d'origine. Enfin, pas dans le jeu. Ah, ouais, il est violé. Il est violé. Il est violé. Parce que, toi, il y a du bleu à côté, donc dans ma tête, c'était resté bleu, mais... Non, il est violé aussi, autant pour moi. Ah, ici, la mélodie du temps. Temps. Qui est lequel petit chant, viens ici. Chant du temps. Bien sûr, j'étais au-dessus, j'ai dû partir. Alors, droite à bas, droite à bas, ok. Droite à bas, droite à bas. Quand même, le mini-boss, le temps qu'on a, ça a duré, c'était fort. Ouais. Ça, c'était du mini-boss. Hein. Quand tu regardes tous les... Quand on sait que... Pardon, t'étais trop près. J'étais trop près, à mon avis. Quand on sait qu'on a l'épée bigoron... Ouais. C'est tellement plus simple. Mais c'est que normalement ce boss là, c'est il est chiant. Le truc. Non. C'est grave pour ça. Bah, je sais pas. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, ce mini boss là, il était chiant parce que quand tu tapais, il frappait aussi. Ouais. C'était ton reflet. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est que pas moyen de lui donner un coup. Mais là, on a eu de la chance, vu qu'on n'a pas la même épée, c'était différent. Mais. Il te fait pas engloutir par le tourbillon.
Ok. Donc il faut aller par là-bas. Faudra faire attention au tourbillon ici. Et à mon avis, il faudra mettre de... S'il y a d'autres tourbillons là-bas, de mettre les bottes. Pour éviter le tourbillon. Comme ceci. Voilà, genre pas ça, tiens. On va essayer de mettre les bottes. On atterrit loin en plus. Bah non, ça va, t'as pas le choix à refaire, c'est déjà ça. Ouais. À mon avis, il faut mettre les bottes. Mais... Donc je vais déjà sauter dans l'eau. Et voilà, je vais mettre les bottes maintenant. Avec un peu de chance, on va finir le donjon dans cet épisode. Ouais, je l'espère. Ce On serait. aura, on aura mis moins de temps avec le donjon de l'eau qui est censé être plus dur que le donjon de feu Ouais. où on en avait chié. Pour un truc tout con, il fallait monter. Ouais. Alors là, on va les remettre. Parce que je ne pouvais pas monter la pente avec les bottes de plomb. Et ça se trouve, ouais, c'est ça. On va éviter de prendre le cœur, on va pas risquer. Non! La roulade, ouais, c'est ça. Roulade. Si je fais une roulade dedans, ça va pas aller. Direction le trou. En fait, tu marches mieux avec les bottes de plomb dans l'eau que. Ouais. Alors que normalement, c'est Attends, censé je être peux les l'inverse, hein. enlever. Dans l'eau, c'est plus dur de se déplacer. Ouais. Mais il était trop con pour savoir nager de toute Ouais. façon. Ceci est dû aux molécules d'eau qui sont plus denses que les molécules d'air. Je pense pas qu'il faut les bottes de plomb. Non, Je pense qu'il faut mais... passer Sous l'eau. en rapidité en fait. Possible aussi. Mais il faut voir... Non! Mais pourquoi tu plonges, abruti? Je vais taper sur A. Allez. En pensant faire une roulade ou je sais pas. Il y a une scutula là. Ouais, bah il y a un truc là. Ah, tu peux mettre les bottes de plomb et... Tant pis. Non! Saloperie! Non. Oh putain, tant pis, il y aura un scutula en moins. On l'avait vu, hein, donc si vous voulez, vous saurez maintenant qu'il y aura un scutula là. Le petit arc. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Arc. Là, t'es obligé de prendre l'arc. Ouais. Et ça nous offre le super une grappin. clé. Non, 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 non! T'aurais pu C'est prendre le. bon. Il faut prendre le grappin pour. C'est chronométré. C'est vrai. Putain, faut pas tout recommencer là, ça serait chiant. Alors là, vous allez Voilà. voir. Bon, là, c'est pas encore le plus frappant. Mais la taille. Bah, si, un petit peu quand même. Descends. Non, tu n'auras pas! Saleté. Il se fout de ma gueule en plus, hein. De qui? Ce putain de grappin. Le truc, c'est que j'aime pas Oui. la vision inversée. Ah, je sais, mais faut s'habituer à ça. Là, on a cherché dans les options, hein, il n'y avait pas. Ah ouais. Donc voilà, encore une petite clé, ce qui fait très plaisir à mon Ça fait petit du cœur. bien. Ah, et voilà. Je vous avais dit dans un des épisodes qu'on allait revenir ici. Et on y revient. Pour rien, mais on y Pour rien, revient. mais ouais. J'ai compris qu'il fallait faire monter l'eau pour y aller, par exemple. Non, non. C'était une sortie. Et maintenant, on a accès à la salle. Si tu te souviens, avec l'arc là. Ouais. Au second étage. Dégage! Non, mais. Vous n'êtes pas drôle, vous êtes plus fort maintenant avec cette épée. Alors moi l'épée je l'avais pris, j'avais été la chercher la première partie quand j'avais déjà battu Ganondorf donc Ouais, enfin, là ce sera plus utile hein. Il y aura plus d'utilité qu'attendre qu'on ait battu Là au Ganondorf. moins on s'en servira quoi, c'est sûr qu'on va s'en servir. Puis au moins tout le monde sait comment l'avoir. Et vous savez aussi que c'est plus chiant que prévu. Voilà. Donc c'est au second étage. J'espère que... Non, l'eau est plus haute. Elle est au dernier. Non, Faudra baisser l'eau. c'est pas bon. Ah non, c'est le boss de fin. Le boss de fin. Le boss du donjon. Ouais, le boss de fin, on y est déjà à la fin. Alors on va aller voir. On peut pas y aller, on n'a pas encore la... Si, Non, mais on va aller voir ce qu'il y a dans les jarres. Ah.
Char. Voilà, vous voyez déjà que le graffin est beaucoup. Le graffin. Le grappin. Graffin. Le graffin. Oh, une fée. On les a toutes. Oh, on a déjà deux fées, merci. Là, c'est une porte qu'on peut déjà ouvrir. On va aller voir, on sait jamais. Peut-être une clé. Faut venir chercher. Après, non, non, c'est pas. Directement. Non. Il n'y a pas de clé du tout. Ça donne directement accès à la salle du boss. Qui est plutôt spécial. Je me souviens plus. Dans la piscine. Ah oui. Ah non. Non. Esquive. Oh joli. Donc on passe par là. On doit jouer deux champs. Hein. C'est chiant. Hein. Je suis désolé, c'est chiant. Non, c'est un champ. Arreux. Oui, le chien, t'es gentil. On tourne avec le chien entre les pattes là. Il dormait, mais maintenant il s'est réveillé. Et... il est chiant. Il est chien. Tu vois, moi aussi, j'ai des genoux pourris. Hein. J'ai vu. Alors. On va dire que c'est parce qu'on est fatigué. On a enregistré pas mal d'épisodes aujourd'hui. On doit être au 5 ou 6ème. Ah, on a commencé l'épée aujourd'hui. Et on continue le donjon. Ah ouais. Ah, c'était fait exprès. Hein. Dire c'est con, tu dois tout remonter. Alors, oui, c'est fait exprès. Donc, on doit passer là-dedans. Allez. On passe là-dedans, j'ai dit. Là, ça se voit que je commence à mieux comprendre le truc. Parce que quand j'étais petit, parce que quand on l'avait fait, j'étais au collège, je crois. J'arrivais pas à retenir les lieux. Tu voulais pas faire monter l'eau ? Si, on fait monter l'eau, mais on sait aller en haut ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon chien. T'entends pas comment il respire ? Si. Là, c'est tout. Il aime bien les carrés sur son museau. Alors. Non merci. Non ça va. Il voulait faire un concert. Voilà, c'est là-bas. Direction. Là vous voyez déjà que le grappin est beaucoup plus fort qu'avant. Hein. Là où. Plus long. Plus fort aussi. Yahoo. Donc c'est par là. Ça sent la scutula, j'entends une scutula. Ouais. On en avait loupé une tout à l'heure parce que. Mais bon. Et vous savez où il y en a une autre. Yeah. Donc n'hésitez pas à faire collection des scutulas. Je sais plus combien il y en a en tout. 100 je crois. Et donc voilà, maintenant qu'on a ça, on peut redescendre. C'est plouf. Ok. On passe là. Et on va aller là où on ne pouvait pas aller avant. Avec l'arc suivi du clapin. Et je sens le fail. Je le sens aussi, c'est marrant. Hein. C'est toujours quand on dit ça qu'on va que tu réussis du premier coup, c'est pas drôle. Ah si, fail. Bon, fail. Tu l'as fait exprès, non ? Non. Raté. Encore fail. Ah, niveau visée, tout ça. Quand t'as pas les petites croix au milieu, hein, c'est plus compliqué. Hein. Bah, dès qu'il s'agit de. Oh putain, tu passes en travers la grille. C'est quoi ce jeu ? Normalement, tu t'écrases comme une merde sur la porte. C'est clair. Comme une mouche. Pas grave, hein, moi. Alors, normalement, là, on revoit ta fiancée, je crois. C'est possible. Je crois qu'on la revoit dans le donjon. Il me semble qu'il y a la clé. Qui vient de là, donc, je crois. Ah non. Non, c'est dans un grand coffre coloré. Ouais, c'est dans un grand coffre coloré, là, qu'il y a. Ah, déjà, là, t'as deux petites clés qui doivent servir à quelque chose. Où ?
Voilà, de retour dans le temple du feu. On va chercher. Alors d'habitude dans ce donjon c'est plutôt le problème des clés. Mais pour nous, non. Bah on a... si, au début, maintenant c'est l'inverse. On a... Là on peut pas se déplacer avec le grappin, ce qui est dommage. Alors. J'ai dit juste là, allez. Et par là, qu'y a-t-il? Je pense me souvenir où on doit aller. Je ne sais pas toi. Pas du tout. Là, je suis un zombie, là. Je commente, mais... Alors... Bon, déjà, ça, ça dégage. Dégage, j'ai dit. Dégage. Dégage. Alors... C'est la sortie, ça, non? Ouais. En effet. Donc là c'est le boss, pas là. Attendez que je réfléchisse 30 secondes. Non, regarde, je dois remonter. Le plan? Non, j'ai pas besoin du plan. Je sais où je dois aller. Je dois remonter le truc ici. Bon, maintenant on peut utiliser le grappin, c'est un avantage qu'on n'avait pas avant. Sortez l'épée! Dégage! Non! Tu l'as eu dans le cul! Je te déteste, je hais toute ta famille, tout ce qui... C'est pour ça que tu butes toute sa famille, justement. Attends, ouais. C'est normal qu'il se venge. Ah non! Allez, remonte, remonte. Non, 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 remonte. Non, mais t'arriveras pas, il faut être au-dessus, je crois. Je vais tout ce qui te concerne. Viens ici, saloperie! Dégage! Tiens, je te tue, je te tue, je te tue! J'en ai marre! Saleté de bestiole. Pourtant elle est gentille, elle te donne une flèche. Ah, très gentille, ouais, elle me bute pour me donner une flèche. Allez, you. Monte. Alors on a deux clés. Avec ces clés, on va aller dans cette direction. Alors. Ah, pour faire monter l'eau, c'est pas ce que je pensais. Ouais, on va faire monter l'eau. On va déjà monter à l'eau, ouais, voilà. Là on vient de se regarder avec cette blague, mais c'est toi en disant Montello, tu m'y as fait penser. Mais mon mentalo quand même, j'ai été loin, je sais. Alors oh la vache. Ah non, bon, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Je pense que ça doit être par là. J'en suis pas vraiment sûr. Hein. Veuillez m'excuser si c'est pas là. Mais je sais qu'il y a une pièce dans laquelle on doit aller là. Automatiquement. Touche. Regarde, il t'aide à remonter. Toi, il est sympa. Je vais l'aider à mourir. Moi aussi, je suis gentil. En plus, t'es vraiment méchant. Je sais pas. Il t'aide à monter, mais. Alors. Pauvre petite araignée. Je crois que c'est un fail ici. Je crois pas que c'est par là. Ouais, moi, je te proposerais d'utiliser ta carte. Ah, quoi que. Bon, déjà ici, il n'y a rien. Non. Dégage. C'est pas cool. Non. Donc, en fait, là, c'est le truc que t'étais tout à l'heure, ça, à part que t'as fait monter l'eau. Ouais, c'est exactement ça en plus. Donc, c'est pas par là. Il faut que je retrouve le chemin, je suis désolé. Alors, regarde la carte. Fixé là où t'as pas visité. Non, non, c'est justement là où j'ai. Enfin, ouais, je vais essayer. Enlève les bottes. Alors, on va déjà remonter. On regardera la carte une fois en haut. Et je te propose, d'après avoir regardé la carte, d'arrêter cet épisode ici et de continuer juste après. Ouais, ouais, pourquoi pas. Alors, la carte. Ici, là, déjà, cet étage-là, on a tout visité. Donc ça c'est déjà très bien. Cet étage là aussi. C'est celui-là, le premier étage. Donc premier étage où on peut déjà aller avec les bottes. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc ben on se laisse ici. Oui, une fois que ton personnage sera fixe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes. Ah.
Exalon, ouais. HT Gamer. Et on vous dit donc un prochain épisode. Salut. Salut tout le monde.